الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toujours dans mercredi dans Masjid Nour Islam, nos sujets, nos formations qui nous peuvent faire, c'est identité en musulmane. C'est-à-dire, quand on peut dire identité en musulmane, on peut dire hawiya al-muslima. Un musulman, dans le Coran et dans le Sunna, fait une caractéristique, c'est-à-dire, il donne lui une identité en tant qu'un musulmane. Par exemple, il va cause mentir. Par exemple, il fait 5 fois salat. Par exemple, il perd pour aller rendre compte jour. Qiyama kut Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, les fin caractéristiques, c'est-à-dire qu'il donne un caractère, un musulman, ce qu'il appelle son identité. Et si nous ne faisons pas des efforts pour maintenir sa identité musulmane, pour arriver qu'il nous nomme musulman, nous iman pas pour ressembler musulman, nous ibadet pas pour ressembler musulman, nous caractère pas pour ressembler musulman, et quand nous faisons transaction aussi, pas pour ressembler un caractère musulman. Et ça, c'est un pharase au sac musulman pour y apprendre comment Allah in customize li, comment Allah in prépare li en tant qu'un insan, comment Allah in donne li ban explication, ban l'enseignement, quand ça insan là, li habille avec sa ban qualité là, de son iman aussi, de son ibadat, de son caractère, et aussi de sa transaction. Là, il vient un musulman qui rentre dans Jannah tout le dos al-A'la de l'Akhira. Un dimon n'est pas capable de vivre l'islam d'après sur la tête. Un dimon n'est pas capable de dire, moi, quand nous, dans nos familles, nous nous comptons comme ça, nous, quand nous faisons manger, nous mettons cousins, cousines, messieurs, madame, zoom, madame, étranger, ceux qui n'habillent bien, madame, nous tout mettons tout en six ensemble, et quand nous venons, chacun donne la main aux camarades, chacun donne bisous aux camarades, nous nous habituons comme ça dans nos familles. Non. Aux familles, les bisins accostument les bisins sans l'habitude, d'après l'habitude qu'Allah sur la sunna d'enseigner. Je vais vous donner un exemple. Oui, je ne peux pas dire qu'il nous a besoin de faire tout de suite, mais je peux dire qu'il y a un musulman, les bisins travaillent pour qu'il se famille et qu'il nous gagne sa identité, nous gagne sa forme, qu'Allah et son Rasoul soit sans financer dans le Coran et dans le Sunna. Nous faisons des efforts. Je ne peux pas dire qu'il dans un jour nous pouvons atteindre l'objectif voulu, mais je peux dire qu'il y a un travail continuel. Moi, je peux dire qu'il y a un jour, il y a un petit fait colère. Alors, ce qu'il fait, il reste fait colère même. Il fait colère dans Bist, il fait colère dans Masjid, il fait colère dans Jumma, il fait colère dans la case, il fait colère dans le travail, il reste fait colère. Ou ça, quand il connaît colère, c'est depuis Shaitan. Alors, je peux faire des efforts pour travailler sa colère-là, parce que dans Hawiya, un musulman, dans l'identité, un musulman, colère peine à sa place. Mais mon pantier nous peine à coller là, mon pantier ça. Mon dieu qui, ça coller là, il y a un côté négatif dans un insan. Ça coller là, il y a un café où tout y a un djoun. Ça coller là, il y a un café où il y a une malédiction aux enfants. Il y a un café où il y a une malédiction aux madames. Il y a un café où il y a une malédiction aux messieurs.
Il fait ouvrir beaucoup de choses à colère là. Il faut quitter la case, aller à le suicider. Alors, le colère, il y a une petite chose qui inie une bonne dans un insan. Il y en a dans sa qualité insan. Il y a une affaire de colère. Ensuite, il y a un travail pour mettre en pratique l'enseignement Coran avec Sunna pour lui contrôler sa colère là. Il n'est pas capable d'être identifié. Ça, c'est un monde coléreux. Nous pas accoster, il y a une colère. Non! Sa colère là, il fait Moussa alayhi salam tout yen djimoun. Moussa alayhi salam, quand il rentre dans la ville, il trouve des djimoun pour la guerre, un début de sa communauté israélite et un début égyptien, ben égyptien il est dans l'Égypte. Alors celui qui depuis Israël, il criait ce diamant, il criait Moussa alayhi salam, ce diamant, il peut faire dominer en moi. Moussa n'est venu donner une calotte, bah il n'est pas sec. Fawakazahu Moussa, faqadwa alay. Moussa n'est donné une calotte, Moussa va vérifier. Est-ce qu'il m'a diamant, il a raison, sans m'a diamant, il a raison. De nos jours, les musulmans, avec l'émotion et affiliation avec ce diamant, ils acceptent crase la vérité, crase réalité, tout, parce que ce diamant peut dire X, nous besoin dire X. Ce professeur peut dire X, nous besoin dire X. Ce professeur dit Y, nous besoin dire Y. Ce pire, il dit X, il dit X. Même ça, X, là, les contraires Coran avec Sunna, il n'y a aucun problème. Parce que son affiliation qui est avec ce diamant, ce pays, ce employeur, avec ce tribu, avec ce alim qui apprend, plus faux que son affiliation avec Coran avec Sunna. Quand nous apprenons l'identité de musulman, nous apprenons pour un netajar red. Nous tirons ça quelque chose qui paye dans le Coran et dans le Sunna, dans une identité musulmane, et nous habillons avec une qualité qui vient enseigner dans le Coran et dans le Sunna concernant nos identités musulmanes. Est-ce que ça clair? Right. Dans les leçons avant 3 semaines de cela, c'est-à-dire avant le 14, dernière leçon, nous fais leçon le 7 août, dernière leçon, nous t'y cause une action qui est haram. Laissons action qui est haram. Mais dans l'identité d'un musulman, dans sa qualité, dans sa forme, dans son dessin, dans ce akhlaq, mais haram, il est absent. Allez, je vais vous poser une question, là, dis-moi vous-même. Comment nous vous connaissons les haram ni pas haram? Comment nous vous connaissons les affaires haram? Comment nous vous connaissons? Si nous pas venons Jumma, ou bien quand nous venons Jumma, nous dormons, et nous pas assister les sons, quand on explique le haram, nous pas assister les sons, Al-Kabair, Imam Zahabi, Cheikh Zayed Pefer, je ne vais pas apprendre même qui était haram. Alors, je vais dire, c'est un haram simple. Et qu'est-ce que ça va, il a ce canson, là? Qu'est-ce que c'est? Ribat. Pourtant, canson n'est pas bon. Nous pouvons causer un frère de Soledo dans une action qui est née dans l'île, là. Nous ne pouvons pas causer mentir au l'île, là. Il mal mettre ce canson. Ce canson, un côté court, un côté long. Un côté blé, un côté vert. Un côté déchiré, un côté bien coude. Ça veut dire que nous pouvons causer un djimoun de Soledo dans une situation qui est vraie. Vous pouvez causer mentir, là. Écoute bien, là. Mais ça, c'est riba. Coran de Surah Hujrat, « Wala yagtab ba'dukum ba'dwa » Il ne faudrait pas se faire riba. Il y a un sahaba, « Ya Rasulallah !» Ce qui nous peut dire, le djimoun, là, il y a dans lui, ça. Rasulallah, c'est un qui appelle riba, là, ça. Parce que si il y a dans lui, appelle ça bout. Appelle ça iftira. Appelle ça, tu peux causer mentir ou un musulman. Quand appelle les riba, quand tu peux causer un musulman de une petite chose qui dit pas content de yes les deux, ça appelle ça ribat. Allez, explique-moi une qui nous position, moi avec où tout le monde dire là. Mais haram. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Et Allah pour lui, explique-nous le danger, le malpropreté, le négativité d'en faire ribat. Il dit, est-ce que tu es content pour manger lasser à ton frère qui mort? Subhanallah. Regarde comment Allah présente un sujet pour que nous, musulmans, nous gagnons dégoût avec le riba. Mais nous pas gagnons dégoût de faire riba, nous gagnons jouissance de faire riba. Et des situations, soit nous ne connaissons pas, nous faire riba, ou bien nous connaissons, nous prenons jouissance. Mais ça a un grand haram, ça, pas si haram, ça. Mais si nous ne connaissons pas, ça que je m'explique, là, qui arrive. Alors, quand nous pécons haram, c'est ce qui Allah, son Rasoul, il dit haram. Et nous, en tant que musulmans, nous visons apprendre en premier lieu qui était man haram,
qui est né dans le Coran et dans le Sunna, parce qu'il passe dans le Coran qui est haram, aussi dans le Sunna qui est haram, ensuite nous fait des efforts pour nous délivrer, pour nous purifier nous de ce haram-là. Hein? Oui, moi tu dis des affaires avant d'aller les 7. Et le haram critique, il y a moins critique, il descend même, après il descend même, il y a un niveau de haram. Mais un musulman, de sa priorité, c'est tout un gros haram, il fait des efforts pour arrêter. Mais comprendre avant de faire avec soeur, il fait des efforts, il pourrait dire, il pourrait dire 1000 coups, il pourrait dire même, parce qu'Azan donne 5 fois par jour pour faire du monde dans la masjid. Mais nous aussi, c'est-à-dire plus minimum, 5 fois par jour, j'ai besoin de dire à ma soeur, j'ai besoin de mettre le djilbab. Mettre djilbab, point de madame, c'est parmi une action principale pour les gens de Jannah. Et s'il n'est pas mettre le djilbab, c'est une action principale pour faire dans l'enfer. Mettre djilbab. Mais nous, on peut batailler, matailler même. Parce que si nous commençons à mettre djilbab, nous mettons un djilbab qui est en forme, forme l'écho là-dedans. Nous attassons nous les reins, les gens forment l'écho. Mais djilbab, sur purpose, c'est pour effacer le silhouette de la femme quand il met ce djilbab au lit. Ah, ça nous met une petite décoration là. Mais djilbab, de son purpose, de son objectif, c'est pour éloigner les yeux sur la femme par des ornaments, par des décorations. C'est-à-dire, dans djilbab, il n'y a besoin de peiner aucune décoration. C'est tout ce step qui nous peut besoin de travailler là. En premier lieu, nous peut besoin convaincre nos bonnes soeurs, nos bonnes filles, nos bonnes mamans, qui pour les sortir du vent réel, nous besoin de djilbab. Cette fois-ci, quand il commence à mettre djilbab, il est convaincu que djilbab qui te mette là, il n'est pas rempli les conditions qui dans le Coran et dans le Sunna, il n'y a pas de djilbab. Mais grand haram, ça. Ça, c'est un haram qui, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y a une sunf, une catégorie de dames, il peut dire sur l'époque, 145 années, qui, Allah, il dit, il n'est pas pour trouver parfum djanna. Et parfait Jannah gagné depuis 500 bananes avec Jannah, il n'est pas pour gagner parfait Jannah, parce qu'il y avait parmi qualité de son madame qui n'est pas pour rentrer dans Jannah et pas pour gagner parfait Jannah là, c'est que quand je suis habillé, je suis nu. Et Rasoul Sassam qui me dit de son époque, je ne pas encore trouver sa qualité, madame là, moi, dans mon époque, qui sont habillé, c'est mon je suis nu. Qu'est-ce que je veux dire de nos jours? Habillé, nu, oui, non. Madame là, elle est habillée et elle est nue, oui, non. Mais dans les Jeux Olympiques, l'habillement des sportmen, monsieur, comme on dit dans Jumma, plus respectable que l'habillement des femmes. Madame là, on est amené là pour montrer sur l'écho, même lui. Montrer l'écho là-haut, en bas, tout le monde dire là. Mais par contre, Michelin met saute, au moins, un petit guide. Je ne vais pas dire qu'il met un linge chari, il met un linge légal d'après Coran, je ne vais pas dire ça. Je peux dire quand on compare sa linge de sa sportman là et sa linge de sa sportwoman là, incomparable parce que sa linge qui sa madame là mettait des plis nus qui ce que sa Michelin mettait. Hein? C'est tout vrai. C'est parce que si la communauté musulmane, mais si vous, comment dire, vous cassez un petit pose là, au plein verre, vous trouvez un caloup et aller avec sur votre cyclette. Ce gros là-bas, tout, avec ce, alhamdoulilah, pas derrière, ce petit fille, il peut quitter le travail, ou ça, ce belle-fille, ou ça, ce zane, moi, je ne connais pas ce cousine, c'est pas ce nièce, il peut quitter, il met un linge, mais incroyable! Comment ça, Kaloula, va accepter ça? Quand nous avons accepté une chose pareille? C'est parce que nous ne comprenons pas la gravité de désobéissance à Allah. Aujourd'hui, je dis à plusieurs fois, musulman, gagne honte pour désobéir à Shaitan, mais il dit pas gagne honte pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. De nos jours, ben musulman gagne honte pour désobéir à Shaitan. Il dit pas le Shaitan fait une mauvaise action, il dit pas les ça dit. Il fait ce que Shaitan dit. Il gagne honte pour désobéir à Shaitan. Voici son camarade ça. Et dans sourah Fatir, Allah dit ya ayyuhan nas, inna wa'ada Allahi haqq, fala taghurrannakum al-hayat ad-dunya wa la yaghurrannakum billahi al-gharur. Inna ash-shaytana lakum aduw fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi as-sa'ir. Right? Ya ayyuhan nas, oh les gens, inna wa'adallahi haqq, Allah se promesse livré, fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya, n'a pas laissé la vie dans sa dunya là déviez eux début eux maqsad wala yaghurrannakum billahi al-gharur, pas les shaytan déviez eux,
par les dunia devient zut, par les shaitan devient zut. Depuis qu'ils ont fait, devient zut depuis surat al-mustaqim, devient zut depuis jannah, devient zut depuis zut maqsad dans dunia. Inna shaitan alakum adou, Allah continue dans ayat 6. Shaitan c'est zut l'ennemi. Fattakhidhuhu adouwa. Deal avec lui comme un ennemi. Innama yad'u hizbahu. Il invite son parti, il invite son camarade, il invite son allié, il invite son équipe, il invite son affilié, li yakunu min ashabi sa'ir, ou ben avin parmi dans Jahannam. Hein? Alors, nous tu causes donc quelques, moi tu dis, on va pour rendre un détail de tout ben haram, nous tu causes donc zina, nous vin causes donc le jeu du hasard, nous tu causes donc la drogue. La drogue, alors, incroyable sa communauté là. Alors, ben sans désintoxication, il prend naissance. Qui fait sans désintoxication, il prend naissance parce qu'il y a beaucoup de toxicomanes. Qui fait il y a beaucoup de toxicomanes parce qu'il y a beaucoup de la drogue. Qui fait il y a beaucoup de la drogue parce que l'autorité puis la capacité, ou sa volonté pour y arrêter ça la drogue là. Ça veut dire la naissance. Descendre des intoxications dans nos pays, c'est un résultat d'un problème principal, c'est la prolifération de la drogue dans la société. Quand, mon frère, je ne pas trouve, je ne pas dire que a raison, je ne pas dire que nous avons du monde battu, je ne pas dire que nous avons payé un professionnel, nous avons payé un docteur principal avec nous comme advisor, je ne pas dire ça là. Mon pédien naissance des centres, des intoxications, living parce que, un step avant, c'est parce qu'il y a beaucoup de toxicomanes. Et toxicomanes peuvent boire 10 ans de famille et dans la société peuvent faire des autres. Et quand il y a un toxicomane, il est dans la Réunion pour dire droguer. Non, parce que la drogue, il proliférait dans nos sociétés. Qui fait la drogue, il proliférait dans nos sociétés, nous on pas encore plus haut, c'est parce qu'il y a beaucoup de la drogue dans nos pays. Et la société, les autorités concernées, peine à capacité, ou bien, bon, pas connaît, peine à volonté pour empêcher la drogue proliférer. Ça qui amène sa naissance de sans désintoxication. Ah, c'est ce qui passait là-dedans. Mais là, nous pouvons commencer traite. Nous pouvons commencer traite. Sa fruit qui finit, quand il sortit sa fruit là, avec prolifération de la drogue dans la société, là, nous avons sans désintoxication. Le Coran, kullu muskirin haram. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y a toute chose qui donne sous les ongles haram. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin aussi dit, man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir, fala yaq'ud ala ma'idatin yudaru alayha al-khamr, dans Musnad Ahmed, faut n'est pas un musulman qui a un iman assis dans une place qu'on peut servir l'alcool. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah sallanat, لعن الله الخمر إن أويلانت لول الكول وشاربها سلوي كي بوالي وساقيها سلوي كي دون أبوا وبائعها سلوي كي فاندي ومبتعها سلوي كي أستي وعاصرها سلوي كي بيس سا غزانا ومعتصرها سلوي كي إن دون سو بلاس بو فيه سا بيسي دو سا وحاملها سلوي كي ساي والمحمول لها إليه في سلوي كي نو بيعمل سا تو سا جيس أكشونا حرام دال الكول. Et vu qu'il coule les mousquerines haram, tout ce qui donne sous les ongles haram, synthétique vin haram, l'opium vin haram, tout ce qui donne sous les ongles, le ganja vin haram. Fini dire. Et qui fait Allah inferi haram? Parce qu'il est malpropre, il est khabif. Il y a une malpropreté. Il fait ou perdre ou l'intelligence, c'est qu'Allah honore ou alakat karamna bani Adam. Allah honore aux enfants Adam. Et quand ça insane a perdu son intelligence, il dit qu'à 2000 ou 6000, les chiens passent pipi le lit, tout, il n'y a aucun problème. Il pas comprendre rien, il a donné mal propre pour manger, il mange parce qu'il fait, il perdit son intelligence qui différencie, fait lui différencier entre quelque chose qui n'est pas bon et quelque chose qui est bon. Et Allah n'a pas voulu qu'il fait insane honoré, il honore insane qui insane a déshonoré lui pour perdre son intelligence. Pour prendre une petite chose qui donne la sous les ongles. Right.
Dans la définition taqwa principale, c'est faire quelque chose faraz, quelque chose haram. Pour un djimoun, il vient un muttaqi, il faut faire quelque chose qui faraz, et il quitte quelque chose qui haram. Et parmi quelque chose qui haram, il y a l'alcool et la drogue qui finit une société. Et moi, je vais expliquer en détail là. Nous demandons à Allah, qui Allah subhanahu wa ta'ala, les protège tout insan contre la drogue. À ce stade dans le Coran, quand il cause l'alcool, incroyable ça, mon frère, incroyable. Moi, j'ai une famille proche avec moi. Il dit à moi, Oustad, si 20 ans on quitte la drogue, 20 ans on ne réussit pas à rester dans la drogue du tout, ou peut passer autour une publicité, une seringue là, ça 20 ans là, moi, un seul coup, on envie à tout ça, seringue là. Il peut dire que l'impact que la drogue est dans l'homme insan, un impact incroyable. Nous pas trouvons du monde impacté. Il gagne l'effet le holi par lecture Coran avec l'enseignement Coran. Comment du monde est impacté avec la drogue? Arrête là. Écoute bien qui est arrivé là. Nous quittons ayat Coran qui a l'indice l'alcool haram. Ya yuhalladina amanu. Surah Maïda. 7e sipara. Première page. Innama al-khamru wal-maysiru wal-ansabu wal-azlamu. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. او بانكنا ايمان ان vérité خمر l'alcool انما الخمر والميسر jeu du hasard والانصاب والانصاب c'est man idole qui maintenant tu peux le mettre man sac man offrande devant sa idole là والازلام c'est un genre de tir à flèche pour connaître si mon bon sens ou bien mon mauvais sens. Rijisum min amali shaitan, c'est un malpropreté depuis mon action de shaitan. Guette comment Allah présente, par exemple, mon fait Jésus, quand il présente ribat, ribat, qu'il dit, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan, fakarihtumu. Est-ce qu'il y a un parmi eux qui est content pour manger la serre de son frère qui meurt? Non, je ne suis pas tout content. Alors Allah peut décrire, il peut expliquer, il peut montrer l'exemple. Il peut faire nous comprendre qui quand c'était dégoût et n'a dans sa action qu'il appelle ribat là, right là. Quand il cause l'alcool et le jeu du hasard et ainsi de suite, il dit rijsum min amal shaitan, un malpropreté, rijs, c'est la malpropreté de mon action de shaitan. Fajtanibou, reste-le en lui. La'allakum tuflihoun, afin que vous portez victoire dans ta dunya là et dans l'akhira. Écoute bien, c'est-à-dire, innama yuridu shaitanu. Shaitan qui fait un yuqi'a baynakum al-adawata wal-baghda'a fil-khamr wal-maysiri wa yasuddakum an dhikrillahi wa an is-salah fa hal antum muntahun. Allah subhanahu wa ta'ala dit que Shaitan ce travail servit l'alcool et le jeu du hasard pour créer l'ennemité et faire les autres éloignés avec dhikrullah et éloignés avec salat. Je dis tout le monde dit que vous êtes romi dit que vous êtes depuis Fajar jusqu'à Aïcha reste vous romiem. Manger la vigne de la table, boire la vigne de la table. Hein? Je vais dire que je suis un beau-frère. Je vais dire que je suis un beau-frère, je suis un tcha-tcha-tcha-tchi, je suis un peu romi. Je ne sais pas qu'on est de nos jours, c'est vrai. Dans mon époque, on trouve ça beaucoup. Je ne sais pas qu'on est de nos jours, il y a un tcha-tcha encore comme ça. Dans ma famille, je vais dire que nous assisés, nous sommes romi. Je ne sais pas qu'on est. Pourquoi appeler ça romi, comme ça? Puis assisé, cinq soir là, traverser, comment on est? Puis on est fatigué, puis on a une douleur, puis on a une sciatique, puis on est rien. Dans le jeu du hasard et de l'alcool pareil. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous comprendre que Shaitan à travers l'alcool et le jeu du hasard il a envie de mettre l'ennemité entre eux. Je ne sais pas comment eux en commençant d'être à commencer. Un seul dimoun peut gagner. Maintenant il peut triquer la guerre élevée. Parce que je connais quand tu es remis. Si 6 dimoun peut jouer, 5 peut dire un gagné. Si moi je fais le jeu du hasard, moi je joue les courses. Il y a 2000 du monde peut perdre, il y a 50 du monde peut gagner. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas oublié que 2000 du monde perdre et 50 du monde gagner. Allah n'a pas oublié personne perdre. Dans l'assurance, même l'affaire. Dans l'assurance, combien d'accidents on fait? Des bouts on fait ou payer l'assurance. Combien de temps on peut payer l'assurance? Combien du monde peut payer l'assurance jamais il ne gagne aucun accident? Mais ça, quand c'est du monde qui peut mettre sa casse là, dans sa assurance là, soi-disant pour gagner protection, quand il y a bien, c'est pourcentage maximal du monde peut payer 10 autres casses. Mais tout quelque chose que tu as payé 10 insan, Allah ne fait haram. Allah parle insan payé 10. C'est moi, insan, il a envie de payer 10.
Allah pas voulu te faire zina, tu as envie de faire zina. Allah pas voulu te perdre de l'argent dans le jeu du hasard, tu as perdu. Allah n'a pas voulu te perdre de l'argent dans l'intérêt, tu as envie de perdre. Arrête là. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui montre sa relativité entre shaitan, ce travail, entre le jeu du hasard et l'alcool. L'infini dit à nous dans le premier ayat, Rijsun min amali shaitan, qui, sa quatre actions qu'il mentionnait dans l'ayat là, c'est ben mal, Rijs, c'est malpropreté de ben action de shaitan. Ça veut dire shaitan dit égare nous à travers sa quatre actions là. Ensuite, il dit Innama yuridu shaitan an yuqia baynakum al-adawata wal-baghda. Shaitan voulait mettre l'ennemité dans eux. Wa yasuddakum an dhikrillah wa an as-salah, li éloigne eux avec dhikrullah azza wa jal et salat. Namaz, fahal antum muntahoun, est-ce qu'ils ont pu arrêter ça ou ça ne va pas arrêter ça? C'est la question qu'Allah a posée là. Mais les musulmans, même pour la drogue, distributeur principal, sans maudire son nom, tout le monde connaît que ça n'a pas pour lui, dans Saint-Croix, dans Terre Rouge, et dans distributeur principal de la drogue. Mais tout le monde connaît tout. Connais tout, il y a trois lotos, même numéro, tout. Bon, je vous connais, bon, tout le monde finit de comprendre. Juste la police qui ne connaît pas. Juste la police qui ne peut pas gagner les autres à main nue. Les lèvres qui sont des intoxications prennent place. Mais normal, mais sans des intoxications. C'est ce qui est arrivé dans le centre. Ça, il y a un résultat de l'incapabilité ou ça, l'involonté, puis la volonté pour arrêter la drogue. Du TET dans Philippines, il arrête la drogue là-bas, lui. 6 ans, il fait président de Philippines. Un président fait un seul mandat, 6 ans. 5 ou bien 6 ans. Quand il finit, il finit la drogue, il finit la corruption. Ben là, remettez ça dans l'autre affaire. Lui, quand il finit, du TET, à lire, il trappe tout le monde qui fait corruption, il amène tous les autres 10 biens. Il détruit les autres 10 biens. Et ben, drogué, il y a une leçon avec du TET dans Philippines. Il y a beaucoup de narrations, il y a une randandine, je me demande qui Allah fait une randandine avant de quitter sa dunia, il y a aller du TET. Quand il y a volonté, qui ça fait? L'appareil, l'État. Il y a envie la drogue arrêter, pas capable d'arrêter. Impossible. Impossible. Vous pouvez dire là, mais je vendais là, je l'endroit qui vendait, je me rappelle d'un programme, l'ancien. Chef de l'église, d'invini, il mentionne l'endroit, il mentionne qui côté tout. Mais tu pensais que mon programme là fini? Nous vous trouvons, comment dire, un débarquement de la fosse. Pas d'arrive dans rien. À la santé, des intoxications prend naissance. Pour qui vous faire? Nous n'avons pas qu'à traiter de cancer. Nous avons traité CV peut grainer, zone peut grainer, bouton peut pousser dans la main. Nous faisons ça qui vous faire. Parce qu'il n'y a pas qu'à régler. Le cause principale de sa dégâts dans la société. Pourtant, le chef religieux de l'église chrétienne, il vient en public, dans la télévision, il dit à qui l'endroit tout. Bon, pas qu'on est qui l'endroit, il dit à moi, mais il dit à l'endroit tout, ça se voulait me rappeler, tu peux dire à l'endroit, là-bas il y a la drogue. Et tellement l'argent de la drogue, une facile. Comment se gagne un coopérateur pour garder la drogue, pour les drogués, les barons? Nous, musulmans, si nous tenons ferme le Coran avec nos sunnas, shaitan pour servir l'alcool, c'est-à-dire la soulaison, en d'autres mots, et le jeu du hasard pour mettre l'ennemité parmi nous, pour éloigner nous en dhikrillah, avec dhikrullah azza wa jal, et pour éloigner nous avec salat, 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 quand on rentre dans salat. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a un Sahaba peut dire qu'ana idha hazabahu amrun salla. Quand une petite chose préoccupe Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fait salat. Il montre l'honnête, il y a la cause avec Allah subhanahu wa ta'ala. Sa salat l'aime qui, shaitan a envie de dévier nous de sa salat en servant l'alcool et aussi le jeu du hasard. Parmi mon grand péché, c'est Zina. Zina dans le Coran est incroyable. Avant l'apôtre, Zina est ouvert, il finit ferme l'apôtre là. Dans le Coran. Avant qu'il apôtre Zina ouvert, le Coran ferme l'apôtre. Il dit Kulli al-mu'minin.
يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. Ô ban kina iman, dis à ban kina iman, baisse tes regards. Qui Coran dit? Baisse tes regards. Ça veut dire ferme ça la porte qui prend mes nouvelles inhalants dans ce début même ferme-li de ce racine. Ce racine c'est le regard. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihin, et dis à ban madame aussi, ban croyante, baisse tes regards et préserve votre chasteté et que vous sortiez en public, habillez-vous avec hishma. Avec respect et la honte pour qu'ils chétanent, parce qu'ils visent pour faire Manjimoun révolter l'Oshimi. Right? Et ça, Inch'Allah, la semaine prochaine, nous pouvons expliquer l'Ozina, wa sallallahu, nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Rabbul Alamin, de nous tawfiq pour nous rester avec haram. Moi, tu dis à sa doua là, Allahumma inni da tirmidhi, Allahumma inni as'aluka fi'la al-khayrat, wa tarka al-munkarat, wa hubba al-masakin. اللهم إني أسألك أن تغفر لي وترحمني. اللهم إن أردت بقوم في قوم فتنة فتوفني غير مفتون. اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. سادعاء لا دان نبجمان avec Allah, donne nous توفيق pour faire bonne action et donne nous توفيق pour rester avec haram. Demande Allah دعاء. Oh Allah, fais-moi rester avec haram. Demande دعاء entre azan et iqama. Demande doigt dans le troisième ciel la nuit. Demande doigt quand je regarde Rosa. Demande doigt dans le vendredi. Dans le dernier lait dans le vendredi, il y a une lait qui doit accepter. Et il y a une phrase qui nous servit pour accepter. Parmi les doigts principaux, demande à la doigt pour lui donner nous tawfiq pour faire bonne action. Et lui donner nous tawfiq pour rester avec une action qui est haram. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala protège ou pas rendre haram. Wa sallillahumma ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين, ونسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تغفر لنا. اللهم إن أردت في قوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر المجاهدين في غزة وفي فلسطين, وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده, سبحانك الله وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.